Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Et il est motivé, le gars. Hein. 7h19 du matin pour une nouvelle vidéo sur Tiki Land. Les gars, c'est un bonheur, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode où tout va bien, tout va bien, bordel. Toutes les attractions ont été déplacées. Je me suis pris le temps de tout faire correctement et tout a été fait. Et je suis trop content. Aujourd'hui, les amis, vous avez vu le titre pardon, de cette vidéo. On va faire des autobox. Voilà, tranquillement, la structure. Euh, on va peut-être également pouvoir voir pour euh, commencer la structure d'un train qui ferait euh, tout le tour de la map, enfin du parc d'attractions, mais avant je vous montre à quoi ça ressemble parce que ben bah, ça y est on est, on est vraiment euh, on est vraiment très très bien Alors oui je suis avec le compte de BXNO, sans faire c'est pas très grave Du coup bienvenue sur sur Tiki Land les frérots Je suis trop content Et encore une fois merci à OMG Serve qui nous permet euh, d'avoir le, le serveur tout simplement Et de, de pouvoir nous faire euh, bah, avec tout ce qui est World Edit, World Edit sans trop de problèmes Évidemment Le lien est dans la description N'hésitez pas à passer par ce lien si vous voulez commander quelque chose sur Ser vous pouvez leur faire confiance et vous avez 5% de réduction en utilisant le code mcolo, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, donc merci encore une fois. À eux. Bon bah là l'entrée n'a toujours pas changé, il y a rien à changer pour le moment en tout cas. Euh, à droite la pump jacket, donc l'attraction euh, citrouille et à gauche euh, l'attraction sous l'eau. Jusque là ça ça ne bouge jamais, ça n'a jamais bougé. Pareil d'ailleurs pour euh, le carrousel qui est là et ici le stand de tir on va pas le bouger voilà sinon on va faire trop de on va faire des conneries <laughs> on va pas le bouger par contre maintenant regardez le quartier horreur quand on va par là bas ça y est ça a bien été déplacé on retrouve bon ça on l'a fait en vidéo du coup on retrouve ici euh, le euh, la forteresse et le blazer juste ici donc là on va pouvoir faire des routes le manoir hanté euh, il est bel et bien euh, mis alors voilà au niveau des trucs alors, attendez parce que je me suis pris ah, regardez bougez pas je me suis pris des notes, en fait, parce que du coup, vous savez qu'en fonction des attractions, ça a été fait avec l'ancienne version de World Edit, et donc il y a des problèmes. Donc il y a juste quelques attractions à retravailler, mais franchement, ça n'a rien à voir avec avant où il fallait tout refaire. Hein. <laughs> ah, voilà, évidemment. Moi je suis refait. Donc le manoir hanté en, en l'occurrence, il est horrible et va falloir le refaire. Euh, à savoir, vous voyez, ouais, ce genre de truc, tu vois, va falloir refaire et c'est un petit peu chiant. Euh, mais c'est pas bien grave. Pareil, si on va, euh, ça c'est aussi le petit bémol. Vous allez voir, bon bah là, les barrières c'est pas grave. Euh, non, ce qui est un petit peu embêtant, c'est les commandes blocs. Euh, bon, on voit pas grand-chose là-dedans, mais en gros voilà, si je vais ici avec les command blocs, ça ça fait un petit peu chier, mais c'est pas grave. Bah il y a plus rien quoi. Il y, y a plus rien dedans. Va falloir re-rentrer. Euh, les euh, commandes, c'est un petit peu embêtant mais bon c'est comme ça, c'est un mal pour un bien, il n'y a pas le choix. Euh, et ce qu'il faudra faire aussi euh, ici au niveau de l'ascenseur, j'avais fait donc un ascenseur ici. Je il faudra juste que, que je me démerde pour qu'il aille en fait euh, sous la forêt, juste ici, je n'ai pas le choix. D'ailleurs la forêt ici elle a été coupée, euh, c'est pas grave, je remettrai les arbres, il euh, n'y a aucun problème à ce niveau-là. On va en parler justement de, de tout ce genre de trucs, tous ces genres de détails à faire, euh, qu'est-ce qu'il en est pour la suite de Mco Park euh, donc voilà pour le quartier horreur. Ici, du coup, on a le quartier, waouh! Wow, le quartier, tu sais, où on s'est pas trop donné de nom. Donc, justement, avec le Future End qui est ici et qui n'a aucun problème. Je suis trop content. Regardez, si on va dans la boule, voilà, ça continue toujours de clignoter. Alors qu'on a juste fait un slash slash copy, slash slash paste. Il y a tout qui a été bien copié. Donc, c'est nickel. Le fusion, ça, c'est aussi un truc à retravailler, à refaire. Par contre, du coup, puisque ça date aussi de l'ancienne version euh, euh, de, de World Edit, du coup. Donc va falloir tout refaire notamment Bah là il me semble qu'il n'y a plus d'armor stand Voilà il n'y a aucun armor stand Les trucs sont retournés de même ici vous voyez Enfin ça ressemble plus du tout à des, des ordinateurs euh, Voilà le lit il est à moitié Enfin bref va falloir refaire des trucs Mais encore une fois c'est pas bien grave Pareil il y a des redstone qui fonctionnent pas Bon bref c'est pas, pas très grave faudra juste refaire ça quoi euh, Ok et puis du coup ici, ici euh, le, euh, Je vais pas spoil Je me tourne comme ça pour pas vous spoil ce qu'il y a derrière Ici du coup c'est le euh, mycosis C'est pareil le mycosis il y a tout qui a été copié sans aucun problème je vais retourner par là bas sans vous spoil ce qu'il y a derrière parce que bah, c'est bien sympathique quand même hop voilà le palais des glaces juste ici donc il a été déplacé il s'est rapproché ici il s'est rapproché de ce quartier le quartier familial le quartier central principal avec la grande roue ici euh, la tour infernale de même ici alors est ce que je me rappelle plus et j'ai peur il me semble que oh ouais c'était sûr les command blocks ne sont pas sauvegardés donc c'est pas grave faudra que je fasse des comparatifs avec euh, la sauvegarde où il y a encore le les commandes si je l'ai je l'espère ou alors sinon ça va être compliqué mais euh, bon ça devrait pas être trop problématique d'accord donc la grande roue elle est là euh, la grande roue normalement je l'ai pas déplacée, si je dis pas de bêtises ce qui fait que normalement euh, ouais je l'ai pas déplacée et heureusement donc comme ça elle est toujours fonctionnelle et euh, je vais pas m'amuser à la déplacer elle est très très bien là où elle est d'ailleurs et justement vous allez voir juste à côté bah vous le voyez juste à côté attendez non on le voit pas attendez non on le voit pas mais on va voir on arrive à la fin si on commence à le voir, voilà, vous le voyez ici. Le reverse que j'ai déplacé, que j'ai mis ici, et je trouve c'est une très très bonne idée. Je voulais le mettre un petit peu plus proche de la grande roue, mais c'est très bien comme ça. Donc voilà, le, euh, le reverse que j'ai déplacé, donc vous voyez là, il n'y a plus rien à refaire. Il est tout bon et tout fonctionnel. Euh, si j'avais dû refaire le haut, mais ça y est, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Voilà, le reverse, il est fonctionnel, il est là. On a encore l'ancien pattern du reverse qui était là à la base, tu vois. On voit qu'à la base, il était là, mais il faudra enlever, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ici, c'est la mini-attraction euh, de merde, mais je pas déplacé non plus. Euh, ici, voilà, euh, bah de tout simplement le... Tout simplement, le, les bûches, les bûches que je n'ai pas déplacées finalement. Je me suis dit, c'était pas nécessaire de déplacer, de faire trop de conneries. Euh, D'ailleurs, les armor stand, donc sont bel et bien là. Et euh, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut laisser épanouir le parc. Là, on se rend pas compte parce que du coup, sur, comme c'est un serveur et qu'il y a la render distance en fait, hein, c'est pas des bugs, c'est la render distance. Donc, vous voyez. Ça cache un peu tout, mais quand t'es sur la map solo, tu te rends compte que tout est non pas à côté, à coller. Euh, heureusement, on a laissé, euh, enfin, j'ai laissé vivre, euh, respirer. Mais euh, mine de rien, c'est pas si loin que ça les attractions, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc c'est très bien comme ça. D'ailleurs, justement derrière, regardez le quartier Far West avec ici. Euh, ah, j'ai oublié de supprimer ça. Oh, il va falloir que je cut. Euh, ici, c'est le, euh, le Safari Race. Il faudra que je le cut parce que je l'ai déjà collé ailleurs. Euh, j'ai complètement oublié, donc il faudra juste le cutter, il n'y a pas de problème. Euh, mais bref donc là c'est le quartier Far West donc avec ici le saloon le, le, le Mad West Et là-bas euh, donc tout est fonctionnel c'est génial regardez il n'y a aucun escalier retourné ça c'est vraiment le, une tuerie Et ici le euh, Baumul hein, alias Le Vaudan pareil je l'ai retourné parce que normalement il était dans ce sens là-bas Et euh, il est trop bien parce que pareil il n'y a pas de bug et c'est juste fantastique Et les command blocks sont fonctionnels Alors il y a quelques petits bugs de rail là juste ici euh, bon Alors c'est un peu embêtant parce que je sais qu'il y avait un rail booster à quelque part Et je ne sais plus où euh, faudra se débrouiller pour retrouver euh, Où c'est qu'il faudra, faudra refaire des tests De toute façon il n'y a pas trop le choix euh, Et là on arrive, regardez, attendez je, Comme d'hab je veux pas trop spoil parce que je veux que ça vous fasse Waouh, donc je regarde de nouveau Ici donc là on est au niveau du quartier central D'accord À votre droite, le donc là le quartier familial Le quartier euh, Far West et ici le quartier Donc là on voit pas, ça charge pas, le quartier Waouh, wow, là-bas, et le quartier horreur là-bas Je me retourne, bam Ouais bon du coup il y a les render distance. Bonjour et bienvenue c'est le volcan. Voilà le volcan il est au milieu du parc, c'est incroyable. Donc euh, ouais c'est vraiment euh, trop trop bien et donc vous allez tout de suite vous vous situer, vous vous repérer puisque là on a euh, le mycosis qui va être ici normalement si je dis pas de bêtises. Hop là je veux pas spoil il est juste là Et ici on a l'attraction du coup de la mine puisqu'on est au niveau des... Des attractions tropicales maintenant ici Je rappelle que tout ici j'aimerais trop faire un front de mer Du coup ça pourrait être trop sympa Donc là voilà le, euh, les mines aucun problème à ce niveau là Également tout a été copié euh, correctement Juste ici si on continue Et eh ben on va tout simplement voir Le safari race qui est juste là Et donc c'est pour ça qu'il faudra le, le supprimer euh, Là bas euh, il est là il est beau Il est incroyable c'est incroyable Et il manque encore une attraction c'est pas possible Attendez il manque une attraction Ah bah non Donc tout ça c'est le safari race d'accord mais manque une attraction. Si je dis pas de bêtises. Le volcan. Le volcan. Ah bah non mais non. Oui. C'est juste les trois trucs, c'est le volcan plus le Safari Race plus les mines. Donc voilà, en fait tout simplement ma présentation euh, des déplacements euh, sont euh, terminées. Donc voilà, euh, BX No m'a pas encore donné son feu vert si ça lui va ou pas au niveau du déplacement. Après je me fais pas de souci pour moi c'est bon et je ne peux pas me permettre de plus rapprocher les attractions. Je vous assure quand tu lances ça sur un monde solo avec la render distance au max, tu te rends compte que tout est à côté, ce qui est très bien comme ça. Il y a des attractions qui sont plus proches les unes des autres. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien comme c'est. Maintenant, quelle est la suite des, la suite des olympiques, j'ai envie de dire Eh bien tout simplement, on va pouvoir commencer très sérieusement euh, à décorer. Alors, bon, priorité, euh, oui, ici si, la décoration, puisque de toute façon on n'a plus besoin de bouger les attractions si elle me donne le feu vert, bien sûr. Mais euh, bien sûr, il va falloir euh, réajuster tout ce qu'il faut faire, donc à savoir le manoir hanté, le fusion. Ah et les mines Les mines aussi parce qu'il n'y a plus les armor stands donc va falloir les refaire. Mais bref, refaire tout ce qui est command block et redstone dans les attractions où c'est pas bon. Euh, va falloir réessayer les attractions, voir s'il n'y a, pu... enfin, a pas de problème de timing, bien sûr. Notamment bah, l'attraction du mule où il y avait des rails qui manquent, il va falloir refaire des tests, etc. Ça va être un petit peu relou. Mais euh, voilà il n'y a pas tout à refaire et ça c'est bien Mais voilà maintenant on va pouvoir décorer Notamment faire des chemins Et euh, faire des, des structures pour combler le vide Tu vois genre là on est vraiment sur la place principale Où on rentre donc là on va pas mettre d'attraction Ou quoi je sais pas encore qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre des décorations on va mettre des palmiers Un petit peu partout ça c'est clair ça c'est sûr on va mettre des palmiers De partout les amis mais euh, voilà euh, Pareil bon alors ça évidemment ça il faudra Changer puisque le design ne plaît à personne visiblement Donc on rendra ça en mode tropical Mais, mais voilà pour la suite des événements BxNo va Je l'espère beaucoup m'aider à ce niveau là puisque au niveau des je suis éclaté au sol et je peux plus faire grand chose. Par contre, niveau route, on en fera. Enfin, des routes, des chemins, etc. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, on pourrait se faire du coup euh, ce que je disais en, en début de vidéo. On va pouvoir se faire. J'ai failli renverser mon café, les gars. Euh, on va pouvoir se faire euh, des autobox, des autotamponneuses. Alors, regardez. Puisque du coup, maintenant, il n'y a plus d'optique de déplacer les attractions. Donc, il faut qu'on le mette tout de suite là où on veut. Euh, ce qui pourrait être sympa, c'est peut-être le mettre dans ce coin-là. Euh, tac 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 tac, peut-être pas... Là il y a carousel, on pourrait le mettre là, mais vous voyez j'ai déjà peur que ça fasse trop serré. Euh, si on regarde par ici, si on regarde par ici, tu vois, là, là ça peut être sympa, juste ici, mais un peu trop loin à mon goût, trop proche du volcan, tu vois, un peu trop loin de, de l'entrée de, de la place principale. Ici ça va être toute une, toute une place et tout, ça va être trop cool. Ici ça va être trop serré. Donc je pense en effet, ouais parce qu'il y a le carousel, l'endroit le plus sympa en vrai pour faire les auto-tamponneuses c'est ici. Parce qu'en plus il y a un stand de tir ici, juste là où je suis, c'est nickel en vrai. En vrai, ici, ça peut être très sympa. Je ne sais pas encore trop comment faire. J'ai une idée en tête depuis tout à l'heure, en fait. C'est pour ça, mais j'ai une petite idée en tête. Euh, mais je ne sais pas encore si je, veux la... si je veux faire ça comme ça. Après, on est dans un. Faut pas oublier qu'on est en mode tropical. Donc, de la le... même façon que tu vois, la grande rouge, je l'ai fait version tropicale. Donc, je vais essayer de, de m'adapter, de faire pareil. Dégage-toi. <laughs> eh, c'est pas moi, c'est BXNO qui t'appelait cochon. Euh, du, coup... du coup, bien sûr, je vais prendre tout ce qui est jungle. Euh, les blocs de jungle pour un petit peu m'aider, voir un peu qu'est-ce qui peut être sympa mais euh, dans tous les cas dans tous les cas tac 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 et je vais prendre ça aussi Dans tous les cas j'avais une idée Donc je vais quand même essayer En fait euh, Si on fait ça comme ça Alors attendez déjà je vais faire un truc logique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 C'est grand ou c'est pas assez grand Si c'est bien 15 Mais on peut, on peut faire 20 c'est quoi on peut faire 20, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Je suis pas sûr de ce que je viens de faire, mais c'est pas, pas bien grave. Euh, et là, on va faire un rectangle, donc on s'en fout de combien on met, mais on va en mettre moins. Là, c'est pas trop proche, ça va, c'est très bien comme ça. Je vais peut-être un peu réduire. Voilà, le but, c'est pas que ce soit gigantesque, hein les gars. De hein. toute façon, on fait pas des trucs surdimensionnés chez nous. Voilà. Et en fait, le, le lapis que je suis en train de mettre, c'est le contour du du machin. Enfin, je sais pas. C'était une idée que j'avais. Vous allez très vite comprendre. Euh, si on regarde comme ça, bah voilà, nickel. Et en fait, on va pouvoir mettre des piliers. Et bah voilà. Du coup, les piliers. On peut pas. Il euh, y a pas de piliers en. Ah, c'est dommage. J'aurais aimé ça, mais en bois. Bah oui, c'est logique. Ça n'existe pas. Il y a pas un truc qui ressemble au bois un peu là. Non. Ça me plaît pas. En fait, j'aimerais faire des piliers d'ailleurs. Le milieu, il est où Le milieu, je crois que c'est un double. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est un double pilier. Ça, ça m'emmerde. Euh, du coup, on va rajouter juste là. Voilà, comme ça, ça va nous permettre de faire juste un pilier, quoi. Non, parce que sinon, ça va être chiant. Ça ressemblera plus du tout à un... <laughs> Un... Un autobox. Bon ça me fait chier ça par contre. Ça me fait vraiment chier. Euh, sachant que il nous faudra les barres de fer en haut. Hein, comme chaque autobox, tu sais, Les, les... Sur... sur les cartes, les... les trucs qui frottent en haut, les lignes électriques. Donc c'est pas... pas plausible ce que je suis en train de faire. Euh, bon, malheureusement, je pense que je vais devoir utiliser. Euh... Ah, attendez, de l'andésite, de la netherite, de la granite, de la mossie. Putain, ça me fait chier. Ça, j'avais pas prévu ça comme ça. Euh, bon, c'est pas grave. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, ce que je veux faire. Donc là, ça va être l'entrée, en fait. Hein, c'est par là qu'on va rentrer. Sur le côté droit, il y aura la, la cabine du gars. D'accord Donc, on va faire comme ça. On va se faire toute une place en, en slab déjà. Enfin, toute une place. Elle va pas être grande, mais juste. Voilà, on pourra même d'ailleurs faire le, le contour en fait, tout le tour, tout le tour à cette hauteur. Et là en fait, on va pouvoir tout simplement euh, faire descendre ici avec les escaliers, comme ceci. Et après, on se débrouillera de comment on veut faire si on met au sol ou quoi. Ça, c'est pas euh, voilà. Ça, ça fera partie de la décoration, tout le reste. Donc, on va pas s'y attarder. D'ailleurs, j'avais une superbe idée. Ah ouais les gars, je vous en ai jamais parlé parce que je voulais pas qu'on me vole l'idée, mais malheureusement ce n'est pas possible. J'avais une superbe idée justement pour les autobox. Un truc que je crois personne n'aurait fait. Et je comprends pourquoi personne n'a fait. Euh, comment faire pour avoir décorativement des auto-tamponneuses qui se tapent dedans en vanilla. Et j'avais une superbe idée, j'en avais parlé, ça, ça remonte maintenant, c'était ça ce qui m'avait motivé à faire les autobox, donc à BXNo. Euh, j'en avais parlé. C'était une superbe idée de voir en gros des minecartes. Se rentrer dedans automatiquement, n'importe comment. Et bien, comment faire ça ben, J'avais une idée. C'était en fait. Euh, parce que du coup, comme on va faire un ressource pack personnalisé. Et que je sais comment ça fonctionne. Puisqu'on va mettre nos musiques. Euh, les musiques on, va, on va composer des musiques Tiki Land. D'accord Donc voilà. On va faire un ressource pack personnalisé. Et euh, du coup, j'avais une superbe idée. C'était par exemple. si tu Regarde, en toute logique, si tu mets. Donc voilà. Vous pouvez me voler l'idée si vous voulez, les gars. Si jamais vous y arrivez. Si tu mets des vaches. Tout plein de vaches. Au bout d'un moment. Les vaches, voilà, elles commencent à être autonomes, tout simplement, et, et à se rentrer dedans, tout simplement, comme tu peux le voir, elles se rentrent dedans. Bon, à une allure assez lente, disons-le, mais elles se rentrent dedans. Et du coup, comme on fait un ressource pack personnalisé, je me suis dit, et eh ben, par contre, du coup, je me suis mis dans la merde, parce que les vaches, en fait, elles vont me faire chier. Et eh ben, je me suis dit, pourquoi pas euh, modéliser les vaches euh, avec des minecartes, en fait, genre, tout simplement, échanger les textures. Et euh, retrouver une vache avec une texture de minecart, tu vois. Donc en gros, c'est pas des minecartes, c'est des vaches. Elles feront le meuh d'ailleurs, sauf si on, on leur enlève le, leur attribut. Mais en tout cas, ça reste des vaches, mais avec euh, mais avec l'apparence de minecart. C'était l'idée que j'avais. J'ai essayé de le faire. Je me suis cassé la tête et je n'ai pas réussi parce que, bah, tout simplement, si tu fais ça, bah le minecart, il a des jambes, <laughs> il a une tête. Et pire ressemble pas du tout à un minecart. mais par contre il a les mêmes couleurs. Euh, donc euh, donc voilà, malheureusement c'est pas possible. Je suis sûr qu'avec de la bonne volonté on peut réussir à le faire en vrai mais euh, j'ai pas réussi et ça me fait chier. D'ailleurs, s'il y en a qui arriveraient à le faire, bah alors dans ce cas-là, OK, mais malheureusement moi je n'y arrive pas. En tout cas, c'était une bonne idée que j'avais, disons-le. 1 2 3 4 5 sérieux il y a pas de milieu là non plus. Là, il y a 5. Ah oh, non On s'est encore fait avoir. Bon bah, c'est pas grave. On va rajouter de 1 là. Décidément, on n'a pas de chance au niveau, euh, au niveau des matins. Hein. Voilà, tac, on va refaire ça. Donc euh, ouais, pour le moment, ça va être... Bon, dans tous les cas, ce sera décoratif. Hein. On pourra jamais faire d'autobox, en tout cas. J'ai pas envie de faire un système de minecart éclaté au sol, pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais attendez, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ah, mais non! Ah, je suis mauvais! Le temps que je comprenne ma connerie, fallait que j'enlève justement un, quoi! Mais oui, je suis bête, je suis bête, je suis bête, excusez-moi, vous allez m'insulter! Voilà! Et là, normalement, tu te retrouves avec 5 d'un côté: 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, les frérots, il y a un problème! Hein. Alors là, les frérots, il y a un problème: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais tu déconnes! Non, mais attends, tu déconnes, la vérité. Là, alors là, les frérots, je comprends rien à ce qui se passe. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Si je fais ça, c'est bon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'abandonne. Je comprends pas. Euh, la vérité, je suis perdu, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là c'est bon. Non mais alors là il va falloir m'expliquer ce qui s'est passé. Hein. Là les frérots euh, va falloir calmement m'expliquer ce qui s'est passé. J'avoue ne pas avoir saisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais là les frérots il y a un problème. Ah, attendez. Ah, mais parce que ça m'a trompé le fait qu'il y en a un qui avait une bûche et pas l'autre. Oh, je suis un connard. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, comment je suis teubé. Bon, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Euh, tiens, le sol, comment on le ferait Bah, écoutez, on va faire un truc, somme toute, classique en noir, par contre. Parce que ça reste des autobox. Donc, on va prendre de la black euh, concrete, hein, tout simplement. Et, euh, et attendez, j'avais oublié que j'avais World Edit. Donc, on va faire ça. Et on va faire ça. Et on va pas se casser la tête. Slash slash 7. Black. Concrete, voilà, oui, c'est ça qu'on veut, monsieur. Ok, donc ça c'est bon au niveau de la hauteur. Tiens, on va partir euh, là-dessus, c'est très bien. En vrai, c'est cohérent, très bien. Euh, ok, le toit, le toit, le toit. Bon, en vrai, ça passe si on le fait en jungle, justement, tu vois. Si on le fait en jungle wood, ça peut être très sympa. Donc, on va faire ça. Pareil, on va utiliser World Edit, ça nous cassera moins la tête. Euh, slash slash set jungle euh, planks très bien Et en dessous en fait voilà on va tout simplement placer euh, les iron bars Alors je vais le placer à la main vous savez quoi Parce que du coup avec World Edit <laughs> ça fait du caca Ah mais non 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 mais non Puisque c'est une bonne version maintenant Attendez bougez pas Ah si ça va faire du caca quand même regardez vous avez vu ah laisse tomber laisse tomber ça va faire du caca On va placer ça euh, tranquillement euh, à la main euh, voilà. En tout cas, si vous avez des idées pour euh, rendre fonctionnel le... les Autobox, bah n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Hein. Comme dit, de toute façon, vous nous donnez euh, vos astuces. C'est ça aussi le but de la série depuis euh, 2016, quand même. Mais, euh, mais en tout cas, on va pas forcer, hein. on va pas installer de mode, on va rester en vanilla. Il euh, n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et c'est très bien comme ça. Si c'est décoratif, tant mieux, c'est bien aussi. Euh, donc euh, voilà, pas de problème à ce niveau-là. Oh là, ça fait, ça fait grand quand même. Hein. Ça fait plutôt grand. Je pense qu'on a une taille quand même raisonnable en vrai. Euh, sans l'avoir fait exprès. Et franchement, la taille est raisonnable. Hein. Franchement, euh, la taille, c'est une taille standard dans la vraie vie, si je puis me permettre. Vraiment, il n'y en, en a pas des... En tout cas, moi, les autobox que j'ai connues, euh, soit sont plus petits, soit sont tout aussi grands. Exactement pareil, tu vois. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Après, donc, à voir si on laisse en décoration. Je pense que je mettrai des minecartes. Euh, vide du coup qui sont pas utilisables euh, enfin des minecarts vides Tu vois ce que je veux dire genre tu, tu mets comme ça là Ah bah non on peut pas du coup Du coup tu fais ça tu vois Tac Tac Voilà tu vois Quelque chose comme ça bam tu les mets un peu yolo et Et en vrai c'est une bonne idée ça ce que je viens de faire Voilà Et bah je pense qu'on va plutôt faire ça comme ça les amis Même pas besoin de De se casser la tête Et là faut se dire qu'il y a les minecarts rangés Alors attendez on va les ranger là comme ça Tac, 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 tac. Eh bah, ben les frérots, j'en ai pas des bonnes idées, moi. En vrai Allez, c'est un petit peu ma fierté. Le mec, il a posé des cartes il est content. Ok, donc ça, c'est cool. Ah euh, oh putain, c'est sympa la structure là, déjà en vrai. Sans déconner. Euh, du coup, les contours, les contours, les contours. Est-ce que si je fais ça, ça marche ou pas Ou est-ce que ça fait crétin Ah, ça fait peut-être beaucoup, hein. Euh, J'ai une idée. Stairs, j'ai pas une euh, variante, si j'ai une variante et on va utiliser du Birch Stairs. Et ce qu'on va faire, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas, j'invente un pattern. Hein. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas fini, vous allez encore m'entendre le dire. Qu'est-ce qu'il me fait lui 2, 3, 4, 5. Eh hey, frère, ça y est, tu vas m'énerver toi. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Et on se retrouve avec un petit truc sympathique. Non, là évidemment, je me disais bien que ça faisait bizarre. Ok. Ok, ça rajoute un peu plus de diversité le truc, c'est sympa. Voilà! Ah ouais Eh, c'est sympa en vrai Alors, on peut rajouter encore peut-être plus de, de relief au-dessus. Peut-être si on rajoute... Euh, si on rajoute ça, ça fait con ou pas mmh, Non, ça fait pas con. Mais à ce moment-là, on va faire un truc cohérent. Et on va prendre de, des birch planks. Et on va mettre ça dans les coins. Genre... Juste ici. Comme ça. Voilà, pareil, on va faire ça là ici. Normalement, ça doit être pas mal. Et du coup, nous on va pouvoir faire ça aussi. C'est vraiment ça juste pour euh, rajouter du, du relief et du placebo. Bon normalement on fait pas de la décoration aujourd'hui mais là comme dit aujourd'hui on fait euh, le euh, les, euh, les auto-tamponneuses donc ça fait partie du, du job. Voilà. C'est un, un petit placebo parce qu'il n'y aura rien à l'intérieur d'ailleurs du coup. Pour pas que ça fasse trop con, bien sûr, très important. On n'oublie pas. Euh, il me faut aussi les birches, les birches slab Voilà. Très bien, très bien. On verra hein, comment on pourra encore décorer tout ça. Euh, par contre, c'est pas ah si si c'est symétrique. Putain, ça va être sympa. Ça va être sympa, j'imagine déjà toute la déco autour qu'il y aura. Je rappelle les amis, parce que la question se repose souvent, donc on est bien sur PC, Java Edition, serveur privé grâce à OMG Serve, entre, OMG, euh, entre BXNO et moi, donc euh, on n'invite personne, et pour ceux qui demandent à ce que je refasse les attractions pour les refaire en vidéo, pas de panique, les gars, on les refera, euh, on les refera déjà quand ce sera fini, quand on aura avancé, etc. Et la map, elle sera la vôtre, quand on aura terminé, vous pourrez la télécharger, vous pourrez y jouer. Voilà, ne vous inquiétez pas. Regardez, c'est trop bien. La vérité, c'est trop bien. Euh... Attends, là, ça me stresse. La vérité, c'est trop bien. Et on peut rajouter des petites lumières, peut-être aussi. Et on va peut-être pas se casser la tête. On va prendre des six lanternes, je sais pas. Ah, ben voilà, regardez. Eh, hey, attendez, moi, j'en ai pas des bonnes idées, moi. Voilà. Magnifique. Et là, on peut même faire ça. Attendez. J'ai une idée on pourrait faire un pattern Je sais pas encore comment mais Attendez attendez Paniquez pas euh, j'ai une meilleure idée que ça J'ai une meilleure idée Si je fais ça 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 Voilà ça sera peut-être mieux On va dire une bite euh, Ouais bah on va essayer comme ça Ah ça c'est débile de ma part Voilà bah là, on va pas faire du coup. Ouais, peut-être comme ça en vrai. Hein. Ouais, parce que sinon ça ferait too much. Enfin, je sais pas comment dire. Uh -huh. Imaginez-vous que c'est de la lumière qui clignote un peu. <laughs> voilà. Par contre, est-ce que ça m'empêche pas euh, de poser. Non, c'est bon. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Donc voilà. Et en vrai, du coup, et, pas, et en vrai, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Ah, il faudrait euh, mettre des barrières peut-être, non Parce que dans la vraie vie... Euh, comment c'est Après, ça dépend. Ça dépend dans quelle partie d'attraction. Ça dépend si c'est la fête foraine etc. Ça dépend dans lesquelles. Mais... Comment ça se passe au bord Il y a des petites bordures en vrai. Bon, attendez, on va mettre des petits walls. Euh, ouais, mais on n'a pas ça. Ah, bah, attendez, des barrières. Des fences jungle, bon après là j'ai peur que ça fasse trop la jungle, franchement non, franchement non ça fait pas trop euh, si parce que, si ça va faire trop parce qu'en fait ici on va mettre ça hein. tout autour il y aura les gens qui regarderont euh, ça risque de faire un peu trop donc dans ce cas là, moi ce que je propose c'est des fens en birch et ça par contre ça quel plaisir j'ai envie de vous dire ah oui 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 oui, oui monsieur et ben voilà on va faire ça encore. Il euh, y a aussi le petit euh, le petit cabanon là pour le, le mec qui démarre l'attraction. Bon, c'est pas, euh, pas très grave. Ah bah j'ai quoi oublié de, de faire le pilier ici. Hop, voilà. Eh ben on est vraiment pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez les frérots En vrai, putain c'est bon ça. Et alors, attendez, s'il faut fermer aussi, hein, c'est pas une raison. L'entrée, on va la mettre à droite. Du coup, je sais pas où, mais en vrai, c'est quoi l'entrée Je la vois bien, genre là. Ah ouais non vas-y on va la mettre là tout classiquement c'est très bien comme ça l'entrée elle est là et puis du coup là il y aura le, le cabanon du bonhomme mais du coup attendez pourquoi je me casse la tête Depuis tout à l'heure je me casse la tête mais je peux mettre des planches du coup là Pourquoi je me suis cassé la tête avec des slabs je ne sais pas Franchement je sais pas Des fois je fais des trucs on sait jamais Voilà et là il y aura le, le petit cabanon et du coup bah en fait on va aussi enlever les, les barrières ici Parce que du coup il pourra sortir euh, je sais pas encore comment le faire. Hein. On va faire un truc. Euh, euh, on va faire un truc assez classique. Attendez, Glass Pain. Et si je fais. Bon, après là, j'ai peur que ça fasse trop de. Qu'est-ce que je peux utiliser Ah, bah du birch. On va utiliser du birch. On va faire comme ça. Euh... Attendez, bougez pas. Comment, comment on pourrait faire Ah là là, je sais pas. Là il sort par là, il peut voir là ici mais il peut sortir par là aussi. Bon va bah, dans ce cas là dans ce cas là on va tout simplement faire ça. On va pas se prendre la tête 36 000 ans. Tac sauf que il peut sortir par là. Faut qu'il puisse bien voir. Tac, il peut sortir par là. Merde. Là, faut Il faut qu'il puisse voir. Attends ça me paraît bizarre, je sais pas comment... Je sais pas comment bien faire. Hop, ok. Et on va prendre encore des slabs de birch. Euh, pour fermer juste au-dessus de lui. Ok. On peut lui mettre... Bah du coup, en fait, ce qu'on va faire... Ok. Ce qu'on va faire... Voilà, il pourra passer par là. Ah, mais attendez, c'est débile. Non, voilà. Ici, la glass pane. Ok, très bien. Et là, il peut sortir par là. Il peut sortir par là. Et on peut lui mettre aussi une glass pane ici. Voilà, ok, c'est bon, on y arrive. Et puis, suis... derrière, on va rien mettre ici. Il y aura le tableau de bord. Tout ça, je sais pas comment ça fonctionne. Voilà. on a Ah bah voilà, nickel. Bah voilà. Et bah alors, les frérots Qu'est-ce que vous en dites C'est bon, ça Ok, bah, nickel. Oh là, je suis refait. Ah, bah, là, je suis content. Voilà, je vais pas vous mentir. Je suis, euh, je suis assez content, assez satisfait de ce que je viens de faire. Hop. Voilà. Tout simplement. Allez, c'est Bibi qui régale. Hop. Ok. Bah, du coup, voilà, les amis. On a fait, aujourd'hui... Putain, je suis content, en vrai, ça rend bien, en vrai. En vrai, ça rend bien. On a fait, aujourd'hui, euh... Et eh bien, tout simplement, les autos tamponneuses, les autobox, je ne savais plus comment ça s'appelait. Donc voilà, par la suite, décoration, euh, remise à niveau des attractions. Et puis, euh, on sera vraiment, vraiment pas mal. J'espère, les amis, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très, très vite pour de prochaines vidéos. C'était MColo. Ciao tout le monde!